Mon vieux Balthazar, qu'est-ce que tu en dis? En voilà du nouveau à Castellet. Mais t'as vu? Ma foi, écoute, Rose voulait pas que je t'en parle tout de suite avant que tout fût terminé, mais tant pis, hein, entre nous deux, il ne peut pas y avoir de mystère. Puis tu comprends, dans une grosse affaire comme celle-là, je n'étais pas fâché de prendre un peu la vie de mon ancien. Guy Berger, qu'est-ce qu'il a fait à la chèvre de monsieur? Ah, laisse mon innocent. Ah, laisse, va. Tiens, allez, joue avec les clés, va. Allez. Positivement, vieux. Qu'est-ce que tu en penses de ce mariage? Et qu'est-ce que tu veux que j'en pense? D'abord, que c'est ton idée, hein. C'est celle de ta brûle. C'est aussi la mienne, hein. Par force. Et pourquoi par force? Oh. Quand les maîtres jouent du violon, les serviteurs veillent. Tu ne me parais pas bien en train de danser. Voyons. Qu'est-ce qu'il y a? L'affaire ne te convient pas, donc? Bien non, là. Et la raison? Oh, la raison. Il y en a plusieurs raisons. D'abord, je trouve que votre Frédéric est trop jeune et que vous êtes trop pressé de l'établir. Cet homme, c'est lui qui est pressé. Ce n'est pas nous. Puisque je te le dis, il en est fou de son Arlésienne. Depuis 3 mois qu'ils vont ensemble. Il ne dort plus. Il ne mange plus. C'est comme une fièvre d'amour. Ah, et puis que veux-tu, hein? L'enfant a ses beaux 20 ans, hein? Et il languit de s'en servir. Alors, tel que le marié, il fallait lui trouver par là quelque chose de capable. Une bonne ménagère, bien fournie de filets d'aiguilles, qui s'entendent à faire une lessive, à conduire une olivade. Enfin, une vraie paysanne, enfin. Sûrement qu'une fille du pays aurait été bien mieux l'affaire. Hein. C'est pas le gibier qui manque en terre de Camargue. Tiens, c'est j'allais bien loin, là. Tu as la petite Giro, là, la fille de Rose. Là. Voilà une femme, comme il y en aurait fallu. Ah oui, oui, que veux-tu, hein. Il a voulu en avoir une dans la ville. C'est bien là le malheur. Hein. Le Montaigne, c'était le père qui disait que aujourd'hui, ce sont les enfants. Enfin, tu sais, le tien à la nouvelle molle. On verra, allez, chacun réussira. Ah, c'est vrai qu'on a toujours fait toutes ses volontés à ce côté. Et peut-être plus que de raison. Mais à qui la faute, hein? Voilà 15 ans que le père manque ici, Pécaille. Ce n'est pas Rose ni moi qui pouvions le remplacer. Une mère, un grand-père, ça a la main trop douce pour conduire les enfants.
Et puis que veux-tu, hein? Quand on en a qu'un, on est toujours trop faible. Hein? Et nous, autant dire que nous n'avons que celui-là, puisque son frère... Grand-père, vois tes plaies comme elles sont grandes. 12 ans à la chandeleur, hein? Et si c'est pas pour vous faire pitié. Oui, mon mignon. La connaissez-vous bien, au moins, cette fille d'or? Savez-vous juste qui vous prenez? Oh, pour ça, hein? Il n'y a que prendre garde, hein? Dans ces grandes coquines de ville, c'est pas comme chez nous, hein? Chez nous, tout le monde se connaît. On est au large. On se voit venir de loin, hein? Tandis que là-bas... Sois tranquille, hein? J'ai pris mes précautions. Nous avons à Arles le frère de Rose. Le patron de Marc. Oui, tout juste. Avant de faire la demande, je lui envoyais par écrit le nom de la demoiselle. Et je le chargeais d'aller au renseignement. Dieu sait s'il a l'œil ouvert, celui-là. Pas pour tirer, mais cassine toujours. Ah, de fait, c'est vrai que le brave garçon n'a pas la même bienheureuse. Quand il vient battre le mari chez nous, c'est égal, hein. C'est un habile homme. Il n'est pas embarrassé de sa langue. Pour parler avec les bourgeois. Oh. Connaît tout le monde de la ville. Et c'est ce qu'il va nous dire, hein. Eh bien, grand-père, et le muscat? J'y suis, Rose, j'y suis. Hey, mon mignon, là, donne les clés, hein. C'est ce grand Balthazar, là, qui n'en finit pas avec ses histoires. Hein. Comment? Le berger est là, lui aussi? Les moutons se gardent tout seuls, maintenant. Les moutons ne sortent pas aujourd'hui, maîtresse. Les tondeurs sont arrivés ce matin. Déjà? Oui, nous sommes le 1er mai, dans un mois, je serai à la montagne. Hein. Il pourrait se faire que son départ plus retardé cette année. Pas vrai, Rose? Voulez-vous vous taire, Baba, et aller à votre muscat tout de suite? Nos gens seront arrivés que vous n'aurez pas seulement tiré une bouteille. On y va, on y va. Tu gardes l'enfant, Balthazar? Oui, oui, maîtresse. Allez. Je me demande qui s'en occupe quand je suis pas là, hein. Ils ont tous des yeux que pour l'autre. Dis-moi donc ce qui lui a fait le loup à la chèvre de M. Seguin. Mais c'est vrai, hein. Nous étions en train de nous raconter une belle histoire, hein. Mais, où étions-nous? Nous étions à... Et alors? Diable! C'est qu'il y en a beaucoup, hein, et alors, dans notre histoire. Et alors, oh, j'y suis. Et alors, la petite chèvre, elle a entendu un bruit de feuille derrière elle. Et dans le noir, elle se retourna, elle aperçut deux oreilles tout droites, avec des yeux qui reluisaient. C'était le loup. Ah. Comme il savait bien qu'il a mangerait le loup, il ne se pressait pas. Tu comprends? C'est leur planète au loup de manger les petites chèvres. Seulement quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. Ah ah ah! La petite chèvre de M. Seguin. Il passait sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou. La petite sœur, elle savait bien que le loup la mangerait. Mais ça n'empêcha pas de se défendre, hein, comme une brave sœur, là, de M. Seguin qu'elle était. Elle se battit toute la nuit. Toute la nuit, mon enfant. Puis, le petit jour arriva. Un coq chanta en bas, dans la plaine. Enfin, et la petite chèvre, il attendait que le jour pour mourir. Oh, elle s'allongea, elle sa belle pelure blanche, tout tachée de sang. Et le loup,
il se jeta sur elle. Et la mangea. Elle aurait aussi bien fait de se laisser manger tout de suite, n'est-ce pas? C'est innocent, comme il prend bien le fil des choses. Dieu vous maintient, le père Balthazar. Oh, Vivette, es-tu sortie, petite? Que te voilà chargée comme une abeille. J'arrive de Saint-Louis par le bateau du Rhône. Ils vont tous bien ici? Et notre innocent, bonjour. Mais, ça, c'est la chèvre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Chut, une belle histoire hein, que nous sommes en train de raconter. La chèvre de M. Seguin, qui s'est battue toute la nuit avec le loup. Ça, c'est le loup. Et puis, au matin, le loup l'a mangé. Oh, c'est la nouvelle, je ne la connais pas. Oh, c'est moi. Tu sais que je suis seul, là-haut dans la montagne, à la lueur de planète. Je m'amuse comme ça à lui fabriquer quelques petites histoires pour l'hiver. Oh, pêcheur. Il n'y a que ça qui l'égaye un peu, hein. Oh, quel dommage. Un si joli enfant, est-ce qu'il ne guérira jamais? Eh oui, ils disent tous que non. Mais c'est pas mon avis. Surtout depuis quelque temps. Hein. Quelque chose qui remue, tu sais, sa petite cervelle. Comme un cocon du verre à soie, quand le papillon veut sortir. Et, il s'éveille, cet enfant. Allez, il s'éveille. Ce serait un grand bonheur si une pareille chose arrivait. Et un bonheur? Oh, ça dépend. Hein. Tu sais, c'est la garde des maisons hein, d'avoir un innocent chez soi. Tiens, regarde, depuis que cet enfant est né. Hein. Pas un de nos moutons n'a été nos fois malade, ni les mûriers, personne. C'est vrai. C'est à lui que nous devons ça. Et si un jour, il venait à se réveiller, nos gens pourraient prendre garde. Hein. Leur planète pourrait bien changer. J'ai faim, moi. Ma foi, pour la gourmandise, je crois qu'il est plus trop tôt qu'à réveiller. Regardez le finot. Il a flairé qu'il y avait quelque chose pour lui là-dedans. Une belle galette à l'anis que la grand-mère Renaud a fait exprès pour son innocent. Elle va bien, Renaud, la petite. Pas trop mal, père, pour son grand âge. Il en prend toujours bien soin, au moins. Hein. Oh, pensez-vous, la pauvre vieille qui n'a que moi. Et quand tu t'en vas, alors, là, comme aujourd'hui, tu la laisses toute seule à la maison? Le plus souvent, je l'amène. Ainsi, le mois dernier, quand je suis allée faire les olives à Montauban, elle est venue avec moi. La Castellet, jamais elle n'a voulu. Pourtant, les gens d'ici nous aiment bien. Oui, tu sais, c'est peut-être un peu trop loin pour elle. Hein. Bon, allez, elle a bonne jambe. Si vous la voyez trotter. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas rencontrés. Oui. Il y a bien longtemps. J'ai faim. Donne-moi la galette. Non, pas maintenant. Si, je veux. Ou bien je dirai à Frédéric. Quoi donc? Que diras-tu à Frédéric? Je lui dirai la fois que tu as embrassé son portrait là-haut dans la grande chambre. Et quand je vous le dis qu'il s'éveille, cet enfant. Vous ne le croyez pas au moins. Personne encore, hein? Oh, si, bonjour maîtresse, tenez, voilà du monde. Bonjour. C'est toi. Bonjour ma reine. Et qu'est-ce qui t'amène? Je viens pour les verres à soie, comme tous les ans. Oh, c'est vrai, je n'y pensais pas. Depuis ce matin, je ne sais pas où j'ai la tête. Balthazar, regarde donc un peu sur la route si tu ne vois rien. Vous attendez quelqu'un? Oui, l'aîné est parti, voilà 2 heures avec la carriole pour aller au-devant de son oncle. Personne! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé! Que voulez-vous qu'il y arrive? Les routes sont un peu dures, mais Frédéric les a faites tant de fois. Oh, ce n'est pas cela, seulement. J'ai peur que le patron Marc n'ait apporté de mauvaises nouvelles et que ces gens de là-bas ne soient pas ce qu'on voudrait. Quel genre? C'est que je le connais, moi, cet enfant. Il fallait que ce mariage manquât, maintenant qu'il se l'est mis dans l'idée de son cœur. Frédéric va se marier. Mais miséricorde! Lui
Descends. Là-haut. Veux-tu bien descendre, maudit enfant? Maîtresse, je suis là, maîtresse. Et... Oh, vous disiez, ma reine, que Frédéric va se marier? Ce grenier, ça me fait frémir. Tu te rends compte? Si on tombait de là-haut sur les dalles. Mais comment tu parles? T'as eu peur, toi aussi, hein? Et avec qui se marie-t-il? Avec une fille d'Arles. Ils se sont connus ici, un dimanche, qu'on faisait courir les bœufs. Et depuis, il n'a plus songé qu'à elle. Elles sont bien belles, on dit, les filles dans ce pays-là. Et bien coquettes aussi. Mais que veux-tu? Les hommes aiment mieux cela. Alors c'est une chose décidée? Non, pas tout à fait. Les enfants sont d'accord entre eux, mais la demande n'est pas encore faite. Tout dépend de ce que va nous dire le patron Marc. Aussi, si tu avais vu Frédéric tout à l'heure, quand il est parti au devant de son oncle, ses mains lui tremblaient en attelant. Moi-même, depuis, je suis comme éperdu. Je l'aime tant, cet enfant. Sa vie tient tant de place dans la mienne. Songe, petite, c'est plus qu'un enfant pour moi. À mesure qu'il devient homme, je retrouve son père en lui. Ce mari que j'ai tant aimé, que j'ai perdu si vite. Mon fils me l'a presque rendu en grandissant. C'est la même manière de parler, de regarder. Oh, vois-tu, quel j'entends mon enfant. Allez venir dans la ferme. Cela me fait un effet que je ne peux pas dire. Il me semble que je ne suis plus aussi vain. Et puis, je ne sais pas, moi, il y a tant de choses entre nous. Nos deux cœurs battent si bien ensemble. Tiens, tâte le mien comme il va vite. Si on ne dirait pas que j'ai 20 ans moi aussi et que c'est mon mariage qu'on est en train de décider. Le voilà. Ma mère, tout va bien. Embrasse-moi. Oh que je suis heureux. Et ton oncle? Il est là, il descend de la voiture. Pauvre homme, je l'ai mené si vite, il a l'air rompu. Le méchant garçon. Oh, tu comprends, je languissais tellement de t'annoncer la bonne nouvelle. Embrasse-moi encore. Tu l'aimes donc bien, ton Arlésienne. Oh, si je l'aime. Plus que moi. Oh, ma mère. Viens, on va chercher mon oncle. Il ne m'a même pas regardé. Et qu'est-ce que tu as, petite? Moi? Rien. C'est la chaleur. Le bateau. Oh, mon Dieu. Le repas, Vivette. Je dirai rien à Frédéric. Bonheur de l'un, chagrin pour l'autre. Voilà la vie. Vive le patron Marc! Vive le patron Marc! Allez. D'abord, et d'une, il n'y a plus de patron Marc. Je suis de cette année capitaine au cabotage, avec certificat, diplôme. Et tout le tremblement. Et sinon, mon garçon, si ça ne t'écorche pas trop la langue, appelle-moi capitaine. Oui, capitaine. Et mène ta carriole un peu plus doucement. Hein. Bien, capitaine. À la bonne heure. Et bonjour, Rose. Bonjour. Et voilà le vieux père Planète. Et salut, marinier. Et comment, marinier? Et puisqu'on te dit... Mais, quelle nouvelle? Oh. La nouvelle, maître français, c'est qu'il va falloir endosser votre plus belle jaquette à fleurs et vous en aller à la ville, bien vite. On vous attend. Alors, c'est du bon. Tout ce qu'il y a de meilleur, de braves gens, hein, sans façon, comme vous et moi. Et un ratafia. Et comment, hein, un ratafia? Oh, divin. C'est la mère qui le fait. Une recette de famille. Hein. Je n'ai jamais rien bu de pareil. Mais t'es donc allé chez eux? Et pardieu. Et tu pensais bien qu'en pareille circonstance, il ne faut se fier qu'à personne, qu'à soi-même. Pas de renseignement qui vaille. Deux bonnes lunettes de marine, comme celle-là. Eh, hey, si, tu es content. Bonjour. Vous pourrez aux filles, à moi. Le père, la mère, la fille, c'est de l'or en barre, hein. Comme le ratafia. Tu vois, hein. Et maintenant, j'espère que vous allez m'expédier ça promptement. Ah, hein. Ça, je crois bien. D'abord, moi, je ne bouge pas d'ici que la noce ne soit faite.
j'ai mis la belle Arsène au radoum pour 15 jours. Et pendant que vous accorderez les violons, j'irai dire deux mots aux mécassines. Pam! Si tu as besoin de quelqu'un pour porter ta carnassier. Merci, merci, Père Planète. J'ai amené mon équipage. Ton équipage, mon Dieu. Oh, n'ayez pas peur, ma mère. Il n'est pas très nombreux, l'équipage du capitaine. Tenez, le voilà. Hé, hey, attendez, tout l'équipage n'en est pas là, hein. Ah non, j'ai amené le mousse. Mais il est resté à Arles pour surveiller le radouvage. Arrive, arrive, mon matelot. Arrive. Et tu saliras dimanche. Qu'a descendu mes bottes, hein, mon fusil. Oui, patron. Comment, patron? Rappelle-moi, capitaine, animal. Oui, patron. Ah, allez, allez, rentre-moi tout ça là. Allez, hop. Il n'est pas très ouvert. Mais c'est un fier homme. Dis donc, Rose, on dirait qu'il a réservé l'équipage. Et le capitaine, donc? 2 heures de tangage dans cette carriole, au soleil. Eh bien, Gantron, le père vient tout juste de mettre en berce une barriquette de muscat à ton intention. Fameux, le muscat de Castellet, avec le ratafia de la demoiselle. Oui. Ça va vous faire une jolie cave, hein. Allez, arrive ici, garçon. Allons boire à ton amoureuse. Allez. Oh, petite Yvette. La voilà en deuil pour toute sa vie. Aimer, sans rien dire, et souffrir. Ce sera sa planète à elle, comme sa grand-mère. Et qu'est-ce qu'il veut celui-là? C'est bien Castellet, ici, berger. Ça m'en allait, hein. Est-ce que le maître est là? Entre, il saute ta table. Non, non, je n'entre pas. Hein? Appelez-le. Oui. Viens. Oh, Francier! Francier! Il y a un homme là! Mais il veut te parler! Un homme, hein? Ouais. Mais pourquoi n'entre-t-il pas? Oh. Et vous avez donc peur que le toit vous tombe sur la tête, l'ami? Ce que j'ai à vous dire? Et pour vous seul, maître français. Et pourquoi tremblez-vous? Parlez, je vous écoute. On dit que votre petit-fils va se marier avec une fille d'Arles. Est-ce vrai, maître? C'est la vérité, mon garçon. Entendez les rires là-dedans. C'est le coup des accordailles que nous sommes en train de voir. Alors, écoutez-moi. Vous allez donner votre enfant à une coquine qui est ma maîtresse depuis 2 ans. Les parents savent tout et me l'avaient promise. Mais depuis que votre fils la recherche, ni eux, ni la belle ne veulent plus de moi. Je croyais pourtant qu'après ça, elle ne pourrait être la femme d'un autre. Voilà une chose terrible. Mais enfin, guette-vous. Je m'appelle Mitifio. Je garde les chevaux là-bas, dans les marais de Pharaman. Vos bergers me connaissent bien. Est-ce bien sûr ce que vous me dites là? Prenez garde, hein, jeune homme. Quelquefois la passion, la colère. Ce que j'avance, je le prouve. Quand nous ne pouvions pas nous voir, elle m'écrivait. Depuis, elle a repris ses lettres. Et j'en ai sauvé 2. Les voilà. Son écriture est signée d'elle. Juste ciel. Qu'est-ce qui m'arrive là? C'est lâche, n'est-ce pas, ce que je fais là? Mais cette femme est à moi. Et je veux la garder mienne. N'importe par quel moyen. Oh, soyez tranquille, hein, c'est pas nous qui vous l'enlèverons. Pouvez-vous me laisser ces lettres? Non, certes. C'est tout ce qui me reste d'elle. Et c'est par là que je la tiens. J'en aurais bien besoin pourtant, hein. L'enfant a le cœur fier. Et rien que de lire ça, c'était fait pour le guérir. Eh bien, soit, maître. Gardez-les. J'ai foi en votre parole. Votre berger me connaît. Il me le rapportera. Voulez-vous prendre un verre de muscat? Non, merci. J'ai plus de chagrin que de soif. Quand
Allons, grand-père, venez. Nous allons boire sans vous. Comment lui dire ça, Seigneur? Courage, vive. Allons, grand-père. Grand-père, à l'Arlésienne. Non. Non, mon enfant. Jette ton verre. Ce vin t'empoisonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que cette femme est la dernière de toutes. Et que par respect pour ta mère, son nom ne doit plus être prononcé ici. Tiens. Lis. C'est vrai, ça? Mettez-vous donc, mille diables! C'est toi, Marc! Oui! Chut, ne bouge pas! Il est là! Qui donc? Frédéric? Non! Un flamant rose! Une bête magnifique! Qui nous fait courir depuis ce matin autour du Vacarès! Mais Frédéric n'est pas avec vous? Non! Ohé! Ohé! Parti! Oh! Mille milliards de milias! Et ce sont ces sacrées femmes! C'est égal, ce coup-ci, il ne m'échappera pas, matelot. Allez, Hardy, Hardy, matelot, Hardy. Allez, Hardy, matelot. Oh, oh. Tu vois bien qu'il n'était pas avec son oncle. Qui sait où il est allé? Ne vous tourmentez pas, ma reine. Il ne peut pas être bien loin. Voilà un paquet de roseaux tout frais coupés de ce matin. Il aura entendu dire aux femmes qu'on manquait de clés pour les verres à soie. Et il sera venu serper à la première heure. Mais pourquoi n'est-il pas rentré déjeuner? Il n'avait pas emporté son sac. Ce qui l'aura poussé jusqu'à la ferme des Giraud. Tu crois? Voilà longtemps que le Giraud l'invite. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Oui, tu as raison. Il doit être allé déjeuner chez les Giraud. Voilà. Attends que je m'asseye un peu. Tiens, je n'en puis plus. Méchante marraine qui se perd dans le tourment. Voyez,
Vos mains sont toutes froides. Ah, que veux-tu? Maintenant, j'ai toujours peur quand tu n'es pas près de moi. Peur? Je te disais tout ce que je pense. Est-ce que cette idée ne t'est jamais venue en le voyant si triste? Et quelle idée? Non. Il y a ces choses qu'on pense. Il semble que d'en parler, ça les ferait venir. Je voudrais qu'une nuit, toutes les digues du Rhône crèvent et que le fleuve emporte la ville d'Arles avec celles qui y sont. Il songe toujours, vous croyez, cette fille? Oh, s'il y songe. Pourtant, il n'en parle jamais. Il est bien trop fier. Puisqu'il est fier, comment peut-il l'aimer encore maintenant qu'il sait qu'elle allait avec un autre? Oh, mon enfant, si tu savais, il ne l'aime plus de la même manière qu'avant. Il l'aime peut-être davantage. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour arracher cette femme de son cœur? Il faudrait une femme. Vraiment, vous croyez que ce serait possible? Celle qui me le guérirait, mon Frédéric. Comme je l'aimerais. Si ce n'est que cela, tenez, j'en connais qui ne demanderait que cela, sans aller bien loin. La fille des Giraud dont nous parlions tout à l'heure. Voilà une qui est jolie et qui il y a longtemps virait autour. Il y a aussi celle des Nougarets, mais elle n'a peut-être pas assez de bien. Oh, ça! Ma reine, il faut le faire retrouver avec une de ces deux-là. Mais le moyen, tu sais bien comment il est devenu. Il se cache, il fuit, il ne veut voir personne. Non, ce qu'il faudrait, c'est que l'amour lui arriva et l'enveloppa tout entier sans qu'il s'en aperçût. Quelqu'un qu'il aimerait assez pour ne point se rebuter de sa tristesse. Il faudrait, je sais pas moi, une bonne créature. Hein. Honnête, courageuse, comme toi par exemple. Moi, je ne l'aime pas. Menteuse. Eh bien oui, je l'aime. Je l'aime assez pour supporter de lui tous les affronts, toutes les disgrâces. Si seulement je savais pouvoir le guérir de son mal. Mais comment voulez-vous? Son autre était si belle et moi je suis si laide. Oh, mais non, ma chérie, tu n'es pas laide, seulement tu es triste. Et les hommes n'aiment pas cela. Pour leur plaire, il faut rire, faire voir ses dents. Les tiennes sont si jolies. J'aurais beau rire, il ne me regardera pas plus que quand je pleure. Marraine, vous qui êtes si belle qu'on attend tout. Dites-moi comment faut faire pour que celui qu'on aime nous regarde. Que notre visage lui inspire de l'amour. Mets-toi là, je vais te le dire. D'abord, il faut se croire belle. C'est les trois quarts de la beauté. Toi, on dirait que tu as honte de tout ce que tu as. Tes cheveux, tais, on ne les voit pas. Attache ton ruban un peu plus en arrière. Là. Ouvre un peu ce fichu à l'arlésienne qui n'est pas l'air de tenir sur l'épaule. Allez, ma reine, vous perdez votre peine. Je suis sûre qu'il ne pourra pas m'aimer. Et qu'en sais-tu? Lui as-tu dit seulement que tu l'aimais? Oh, je sais bien comment tu fais quand il est là. Tu rougis, tu baisses les yeux. Mais il faut les lever au contraire et les mettre hardiment et honnêtement dans les siens. C'est avec leurs yeux que les femmes parlent aux hommes. Je n'oserai jamais. Regarde-moi. C'est qu'elle est jolie comme une fleur. Oh, je voudrais qu'il puisse te voir à présent. Tiens, sais-tu? Tu devrais t'en aller jusqu'au mas des Giraud. Vous reviendrez ensemble, tout seul, le long de l'étang. Au jour tombé, les chemins sont troubles. On a peur, on s'égare, on se serre l'un contre l'autre. Oh mon Dieu! Mon Dieu!
que je lui dis là, maintenant. Écoute, Vivette, c'est une mère qui te prie. Mon enfant est en danger, il n'y a que toi qui peux le sauver. Tu l'aimes. Tu es belle. Va. Ma reine. Si c'était moi, comme je saurais bien. Ah mon mignon, on va voir s'il reste encore quelques olives au fond de mon sac. Hein? Alors, maîtresse, l'avez-vous trouvé? Non, je crois qu'il sera allé déjeuner chez les Giraud. Ah, c'est alors, possible. Viens, 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 il faut rentrer. Ouais. Non, non, je ne veux pas. Laissez-le, maîtresse. Je garde mon troupeau là près de l'étang. Sitôt la nuit venue, le bergerot vous le ramènera. Il t'aime plus que nous, cet enfant, berger. À qui la faute? Tout innocent qu'il est. Il comprend bien que vous l'avez tous un peu abandonné. Abandonné? Que veux-tu dire? Est-ce qu'on n'a pas soin de lui? Est-ce qu'il lui manque quelque chose? C'est la tendresse qu'il lui faut. Je vous l'ai souvent dit. Rose mamaille. Trop souvent même, berger. Cet enfant est le porte-bonheur de votre maison. C'est dommage que tu ne portes pas ton sire. Tu prêcherais bien. Adieu, je rentre. Fichier, petit, hein? C'est pas pour toi qu'elle t'embrasse. J'ai faim, berger. Va dans la bergerie, hein? On va voir s'il reste quelques olives là au fond de mon sac. Il est là, Frédéric. Frédéric, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas entendu ta mère là qui t'appelait? Si, mais j'ai pas voulu répondre. Ta maman, lui, qu'est-ce que nous avons à vouloir méfier toujours comme ça? Le comme on est. Tu as tort, hein? La solitude n'est pas bonne pour ce que tu as. Que j'ai? Je n'ai rien. Et alors si tu as rien, pourquoi passes-tu tes nuits à pleurer, à te lamenter? Qui te l'a dit? Tu sais bien que... Hein? Je suis sorcier. Viens, allez là, cherche ta vie. Bien oui, c'est vrai. Je suis malade. Je souffre. Quand je suis seul, je pleure, je crie. Tout à l'heure, là-bas dedans, je me cachais la tête dans la paille pour qu'on ne m'entende pas. Berger, je t'en conjure. Si tu es sorcier, mais fais-moi manger une herbe. Quelque chose qui m'enlève ce que j'ai là et qui me fait tant mal. Il faut travailler, mon garçon. Travailler. Depuis 8 jours, j'ai abattu la besogne 10 journaliers. Je m'écrase, je m'exténue. Et rien n'y fait. Alors marie-toi, tu sais que c'est bon rayé pour dormir, hein. Le cœur d'une honnête femme. Mais il n'y a pas d'honnête femme. Non, ça ne vaut rien, Corrie. Il vaut mieux que je m'en aille, c'est le meilleur de tout. Ah, le voyage, c'est bon aussi. Viens avec moi dans la montagne. Tu verras comme elle est bien là-haut. C'est plein de sources qui chantent. Et des fleurs, grandes comme des arbres. Et des planètes, des planètes. C'est pas assez loin la montagne. Alors pas arrête donc, qui va courir les berlettes, hein.
C'est pas encore assez loin, les mers lointaines. Alors, où es-tu donc calé, alors? Là, dans la terre. Oh, malheureux à part, hein. C'est ta mère, hein? Elle est vieux que tu tueras des mauvais coups. Je sais bien, hein. Tu n'avais qu'à pas ici à soi. On a vite fait de mettre son phare devant, seulement voilà. Il y a les autres, hein. Je souffre autant, si tu savais. Oh, je sais ce que c'est là. J'ai connu ton mal, hein. Je l'ai eu, moi aussi. Toi? Et moi. J'ai connu cet affreux tourment de se dire ce que j'aime. Le devoir me défendre. J'avais 20 ans alors, et dans la maison où je travaillais, où c'était pas loin, c'était là-bas, à l'autre main du roi, hein. La femme du maître était belle, hein. Et je suis pris de passion pour elle. Oh, jamais vous parlez d'un amour ensemble. Mais ouais, que je te souhaite, là, le pâturage, hein. Et comme ça, tu vois, s'asseoir, tu... rire tout contre moi. Et un jour, elle m'a dit, Berger, attends. Maintenant, je suis sûr que je t'aime. Alors, je suis parti. Je suis venu me louer. C'est ton grand-père. Vous ne vous êtes plus revu. Ah ben ! Pourtant, je l'aimais, hein. Je l'aimais tellement. Qu'après des années, et des années passées sur cet amour. Voilà, le petit, j'ai encore les larmes, tu vois. Il m'a bien un parrain. Ce qu'il y a, hein. C'est ce mon devoir. Ah, oh, ça me brûle, hein. Tâche de faire le tien, hein. Mais est-ce que je ne le fais pas? Est-ce moi qui vous parle à cette femme? Est-ce que je n'y suis jamais retourné? Oh, quelquefois, la rage d'amour me prend et je me dis, j'y vais. Alors je marche, jusqu'à ce que je vois monter les clochers de la ville. Jamais je ne suis allé plus loin. Alors, donne-moi les lettres, Frédéric! Mais donne-moi les lettres! Mais quelles lettres? Les lettres, là, épouvantables, que tu lis du tes jours, et qui t'embrasse le sang, au lieu de te dégoûter d'elle, comme le vieux le croyait. Mais puisque tu sais tout, dis-moi le nom de cet homme, alors je te les rendrai. Et à quoi ça te servirait? C'est quelqu'un de la ville, n'est-ce pas? Quelqu'un de riche, elle y parle toujours ses chevaux. Peut-être! Tu aurais y me dire, alors je les garde. Si le galant voulait revoir, il viendra me les demander. Comme ça, je le connais trop. Fou, triple fou. Qu'est-ce qu'ils veulent, les bergers, appelés comme ça? Ah, ils ont raison, hein. Le jour va tomber, il faut que je rate pour les bêtes. Là. Mon petit, attends-moi, j'en reviens. Tous les amoureux ont des lettres d'amour. Et moi, voilà les miennes. Je n'en ai pas d'autres. Misère, j'ai beau les savoir par cœur, il faut que je les lise et les relise sans cesse. Ça me déchire.
J'en meurs, mais... Mais c'est bon tout de même. Comme... Comme si je m'empoisonnais avec quelque chose de délicieux. Là, j'ai fini. Je n'ai plus faim. Y en a-t-il des caresses là-dedans, et des larmes, et des serments d'amitié? Dire que tout cela est pour un autre, que c'est écrit, que je le sais et que je l'aime encore. C'est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l'amour. Ne lis pas ça, ça fait pleurer. Comment le sais-tu, toi, que ça fait pleurer? Je te vois bien la nuit dans notre chambre. Quand tu mets ta main devant la lampe. Oh, mais dis-moi, le berger a raison de dire que tu t'éveilles. Faut prendre garde à ces petits yeux-là maintenant. Laisse ces vilaines histoires, va. Moi, j'en connais de bien plus belles. Veux-tu que je te raconte une? Voyons. Il y avait une fois. C'est drôle, le commencement des histoires, je ne m'en rappelle jamais. Je me suis donné à toi tout entière. Oh Dieu. Et alors, on me fatigue de t'en chercher. Et alors, elle s'est battue toute la nuit, et puis au matin... Bien, ton histoire, est-ce qu'elle est finie? Oh, cher petit, c'est endormi en me la racontant. Hein. Est-ce heureux de dormir comme ça? Moi je ne peux pas, je pense trop. C'est pourtant pas ma faute. Et on dirait que toutes les choses autour de moi s'arrangent pour me parler d'elle. Pour m'empêcher de l'oublier. Ainsi, la dernière fois que je l'ai vue, c'était un soir comme maintenant. L'innocence s'est endormie comme il est là. Moi je rêvais. Pensant à elle. Alors, elle est venue doucement derrière les mûriers et elle m'a appelé par mon prénom. Frédéric. Alors, j'ai encore sa voix dans les oreilles. Oh, ne m'entends pas, ça. Moi, par malice, je ne me retournais pas. Alors, pour m'avertir, elle s'est mise à secouer les mûriers en riant de toutes ses forces. Et j'étais là, sans bouger, à recevoir son joli rire qui me tombait sur la tête.
avec les feuilles des arbres. Qui est là? Ah, c'est toi? Que tu m'as fait mal. Tu fais mal? Qu'est-ce que tu me veux avec ton rire? Ton rire est insupportable là. C'est que je t'aime. On m'avait dit que pour plaire aux hommes, il fallait rire. Tu m'aimes? Mais il y a longtemps, va. Toute petite. Pauvre enfant. Que je te plais. Te rappelles-tu quand la grand-mère Renaud nous a menés cueillir du vermillon du côté de Montmajour? Je t'aimais déjà dans ce temps-là. Et lorsqu'en fouillant les chênes nains, nos doigts se mêlaient sous les feuilles, je ne te disais rien, mais je me sentais frémir toute. Il y a 10 ans de ça. Ainsi, tu penses. C'est un grand malheur pour toi que cet amour te soit venu, Vivette. Moi, je ne t'aime pas. Oh, je le sais bien. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et tant que je te parle, tu commences à ne pas m'aimer. Quand je t'ai donné quelque chose, toujours tu le donnais aux autres. Eh bien alors, qu'est-ce que tu veux de moi? Puisque tu sais que je ne t'aime pas et que je ne t'aimerai jamais. Tu ne m'aimeras jamais, n'est-ce pas? C'est bien ce que je disais. Et ce n'est pas ma faute. C'est ta mère qui l'a voulu. Voilà donc ce que vous compétisez ensemble tout à l'heure. Je t'aime tant, ta mère. Elle est si malheureuse de te voir de la peine. Il lui semblait que cela te ferait du bien d'avoir de l'amitié pour quelqu'un. Et voilà pourquoi elle m'a envoyé vers toi. Sans elle, je ne serais pas venue. Je ne suis pas demandeuse, moi. Ce que j'avais m'aurait suffi. Venir 2 ou 3 fois l'an. Penser longtemps en avance. Et encore plus longuement après. T'entendre. Être à tes côtés. Je n'en aurais pas voulu davantage. Je ne sais pas, toi. Quand j'arrivais chez vous, comme le cœur me battait rien que de voir votre porte. Voir comme je suis malheureuse. Quand maintenant c'est fini. Après tout ce que je te dis, je n'oserai plus te regarder en face. Il faut que je m'en aille pour ne plus revenir. Oui, tu as raison, va-t'en. Cela vaut mieux. Seulement, avant que je parte, laisse-moi te dire une dernière chose. Le mal qu'une femme t'a fait, une femme peut le guérir. Cherche une autre amoureuse et ne désespère pas toujours pour celle-là. Tu penses quelle double peine ce serait pour moi d'être loin et de me dire tu n'es pas heureux. Oh mon Frédéric, je te le demande à genoux. Ne te laisse pas mourir pour cette femme. Il y en a d'autres, toutes ne sont pas laides comme Vivette. Et si moi, j'en connais qui sont bien belles, si tu veux, je te le dirai. Non. Il ne manquait plus que cette persécution. Mais ni de toi, ni des autres, ni des belles, ni des laides, mais je n'en veux aucun prix. Et dis-le bien à ma mère, qu'elle ne m'en envoie plus au moins. D'abord, tout me fait horreur. C'est toujours la même grimace, du mensonge, encore du mensonge. Et si, toi, qui es là, à te traîner sur tes genoux, à me prier d'amour, qui me dit que tu n'as pas quelque part un amant qui va venir encore avec des lettres. Eh oui, mais tu vois bien que je suis fou, et qu'il faut me laisser tranquille. Mon Dieu! Vivette! Vivette! Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce qui pleure? C'est toi! Je vous l'avais bien dit qu'il ne m'aimerait jamais. Mais Frédéric, où est-il? Il est parti par là, comme une égarée. Banquet! Oh, j'ai peur! Moi aussi. Tu vois bien que tu penses comme moi. Non, ce n'est pas possible. Il faut prendre un parti, alors. Viens.
Vois-tu, matelot, en Camargue, il n'y a de bon que l'affût du matin. Il y a eu donc. Le jour, il faut courir dans la vase. Lever les jambes, comme un jour à la morgue. Pour tuer quoi? Pas même une sarcelle. Et bien, voilà la beauté. Alors, au contraire, les oies, les flamants roses, les charlottines, tout ça vous passe sur la tête, hein? En bataillon, ah, il n'y a qu'à tirer dans le tas, bang, bang, ça vaut la peine, hein? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dors, matelot? Manqué. Et comment manqué? J'ai pas encore tiré. Mais réveille-toi donc, animal! Oui, patron. Hein? Oui, capitaine. Ah, la bonne heure. Voici une petite bise blanche, hein, qui te rafraîchira le museau. Oh, oh! Les butors soufflent dans le marais. C'est bon signe. Ouais. Le temps ne va pas, j'ai à te parler. Mais c'est que l'affût. Je vais réveiller le père. Attends-nous. Allons, bon. Voilà encore un autre affût manqué. Oh, en voilà des histoires pour une amourette. Oh, si tous les hommes étaient comme moi, feu de Dieu, elle aurait bien l'avoir, la femelle qui me mettra le grappin dessus. Et toi aussi, matelot, hein? Je suis sûr que tu serais curieux de l'avoir. Déjà levé, capitaine? Bonjour, Miss Vivette. Et où allez-vous donc de si bonne heure avec de si gros paquets? Je vais porter mon bagage au pontonnier du Rhône. Je pars par le bateau de 6 heures. Vous partez? Mais oui, capitaine, il faut bien. Comme le dit cela, Guémin, il faut bien. Mais alors, vos amis de Castellet, cela ne vous fait donc pas grand-peine de vous en aller deux? Ah, que s'y fait? Mais il est là-bas, c'est Louis, une brave femme qui s'ennuie d'être seule. Et cette idée me donne du courage pour partir. Oh, mais j'y songe. Et le feu qui n'est pas fait. Oh, et la soupe des hommes. Oh, vite, vite. Oh, justement, la chambrière qui est malade ce matin. Voulez-vous que je vous aide? Volontiers, capitaine. Tenez derrière la porte un bout de fagot. Voilà, voilà. Eh bien quoi? Et qu'est-ce que tu as de regarder avec tes gros yeux? Merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à souffler. Je m'en charge. Ah, c'est cela. Pendant ce temps, je vais jusqu'au bateau pour retenir ma place. Mais vous allez revenir au moins? Sans doute. Il faut bien que je dise adieu à ma marraine, hein. Hé, hey, laissez. C'est trop lourd. L'équipage va vous porter cela. Hé, hey, prends ces paquets, on te dit. À tout à l'heure, capitaine. À tout à l'heure.
Et celle-ci s'en va. Nous voilà bien. Il n'y avait que ça de gai et de vivant dans la maison. Si gentille, si aimable avec tout le monde. Et s'entendant si bien, à vous donner vos titres. Oui, capitaine, non capitaine. Pas une seule fois, elle y aurait manqué. Tout de même, ça ne serait pas déplaisant de voir passer sur le pont de la Belle Arsène un joli petit perdreau de fillette dans ce goût-là. Eh bien, qu'est-ce qui me prend? Est-ce que moi aussi? Oh, décidément, il y a un mauvais air qui court par ici. Je crois bien que cette Arlésienne nous a flanqué le feu à tous. Bon temps pour les bécassines, Marinier. Ah, c'est toi? Le ciel est noir, le gibier là-bas, sur Giraud. Ah, ne m'en parle pas, je suis furieux. Ils m'ont fait manquer mon affût. Yeah. C'est pour te battre le sang que tu... Non, parce que tu n'as pas besoin de bottes hein, pour ça. C'est bon. Vieux malicieux. Il faut qu'il soit toujours dans votre dos, ce grand-là. Mais dis donc, tu es convoqué toi aussi? Convoqué? Eh oui, il paraît qu'il y a un grand conseil de famille ce matin. Hein? Ouais, je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Encore une autre histoire. Chut. Et voilà. Passez, père. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh, il paraît que c'est sérieux. Très sérieux. Tu es là, toi? Est-ce que je suis de trop, maîtresse? Au fait, tu peux rester. Ce que j'ai à leur dire, tu le sais aussi bien que nous. C'est une chose terrible, à laquelle nous pensons tous à nous-mêmes, mais dont personne n'ose parler. Mais à cette heure, le temps presse. Il faut que nous en expliquions une bonne fois. Je parie que c'est encore de ton fils dont il s'agit. Oui, t'as deviné, Marc. Il s'agit de mon fils qui est en train de mourir. Ça vaut bien la peine qu'on en parle. Et qu'est-ce que tu dis, là? Je dis, grand-père, que notre enfant est en train de mourir et je viens vous demander si nous allons le regarder passer comme cela, tout bonnement, sans rien faire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il a? Il a... que c'était au-dessus de ses forces de renoncer à son Arlésienne. Il a... que cette lutte l'épuise, que cet amour le tue. Tout ça ne nous dit pas de quoi il meurt. On meurt d'une pleurésie, d'un palan qui vous tombe sur la tête, hein, emporté par un coup de mer. Enfin, un garçon de 20 ans, solidement amarré sur ses ancres, hein, ne va pas se laisser glisser pour une contrariété d'amour. Tu crois, Marc? Faut venir à Camargue pour rencontrer encore ces superstitions-là. Tenez, écoutez ceci ce matin. C'est la romance à la mode cet hiver à l'Alcazar arlésien. Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour. Heureusement. Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour. Oh,
Ta chaîne t'est bien. J'ai ton ovide. Hein? Ta chanson est une menteuse, Marc. Il y a de beaux 20 ans qui meurent d'amour. Et même le plus souvent, ceux qui sont atteints de cet étrange mal se débarrassent de l'existence pour en avoir plutôt fini. Est-ce possible, Rose? Tu crois que ma femme... Il a la mort dans les yeux, je vous dis. Regardez-le bien. Vous verrez. Voilà 8 jours que je me surveille. J'ai fait mon lit dans sa chambre et tous les soirs je monte pour écouter. Croyez-vous que c'est vivre cela pour une mère? Tout le temps je tremble, j'ai peur de tout pour lui. Les fusils. Et puis... Le grenier. D'abord, je vous préviens. Je vais la faire murer, cette fenêtre du grenier. On y voit les fenêtres d'Arles de là-haut. Et tous les soirs, l'enfant monte les regarder. Ça m'effraie. Et me rompt. Oh, ce homme. J'en rêve. Et lui aussi en rêve. Hier, il a passé plus d'une heure devant la maison du pontonnier, regardait l'eau avec des yeux fous. Il n'a plus que cette idée-là dans la tête, je vous dis. Et s'il ne l'a pas encore fait, c'est que je suis là toujours près de lui à le garder, à le défendre. Mais maintenant, je sens que je suis à bout de force et qu'il va m'échapper. Rose. Rose. Écoutez-moi, Français. Ne faites pas comme Marc. Ne levez pas les épaules à ce que je vous dis. Je le connais mieux que vous, moi, cet enfant, et je sais ce dont il est capable. C'est tout le sang de sa mère. Et si moi, on ne m'avait pas donné l'homme que je voulais, je sais bien ce que j'aurais fait. Mais enfin, nous ne pouvons pourtant pas le marier avec cette... Pourquoi pas? C'est vous, ma fille. Feu de Dieu. Je ne suis qu'un paysan, Rose. Et je tiens à l'honneur de mon nom et de ma maison. Comme si j'étais seigneur de Claderousse et de Parmentane. Cette arésienne chez moi. Filon. Vraiment. Je vous admire tous les deux de me parler de votre honneur. Eh bien, et moi, qu'est-ce que j'aurai à dire alors? Voilà 20 ans que je suis votre fille, maître Français. Pourrait-on trouver quelque part une femme plus honnête, plus fidèle à son devoir? Je suis bien obligée de le dire, puisque personne de vous n'y pense. Est-ce que mon homme, en mourant, n'a pas témoigné devant tous de ma sagesse et de ma loyauté? Si moi... Je consens à introduire cette drôlesse dans ma maison, à lui donner mon enfance, ce morceau de moi-même, à dire ma fille. Ah ça, croyez-vous que ça me sera moins dur qu'à vous autres? Cependant, je suis prête à le faire, puisqu'il n'y a que ce moyen pour le sauver. Aie pitié de moi, ma fille. Tu me brises. Mon père. Mon père, je vous en conjure. Vous avez déjà perdu votre fils. Celui-là, c'est votre petit-fils. C'est votre enfant, 2 fois. Est-ce que vous voudriez le perdre encore? Mais j'en mourrai, moi, de ce mariage. Mais nous en mourrons tous. Qu'est-ce que ça fait? Pourvu que l'enfant vive. Mon Dieu. Qui m'aurait dit que je verrais un jour une chose pareille? Eh bien, je ne connais un qui ne le verra pas, par exemple. Comment, ici, dans Castellet, une cato qui a couru avec tous les maquignons de la Camargue, eh bien, ce sera du propre. Tenez,
voilà ma cape et mon bâton, maître français. Faites au bon compte que je m'en ai. Balthazar, pense, c'est pour l'enfant. Je n'ai plus que celui-là. Et laissez-le donc partir. Il a déjà pris trop de place à notre feu, ce serviteur-là. Ah, on a bien raison de dire que 1000 brebis sans un berger ne sont pas un bon troupeau. Ce qui manque dans cette maison, c'est un homme pour la conduire. Il y a des femmes, des vieillards, des enfants. Il manque le maître! Réponds-moi franchement, berger. Crois-tu que l'enfant serait capable de se tuer si nous ne lui donnions pas cette fille? Je le crois. Et tu aimerais mieux le voir mourir? 100 fois. Va-t'en, misérable! Laissez. Va-t'en, sorcier de malheur! Laissez, Rose. Balthazar est d'un temps plus dur que le vôtre, où l'on mettait l'honneur par-dessus tout. Moi aussi, je date de ce temps-là. Mais je n'en suis plus digne. Tu peux t'en aller, berger. Je vais faire ton compte. Attendez. J'entends l'enfant qui descend. Je serais curieux de savoir comment il prend la chose. Frédéric! Oh, Frédéric! Viens, c'est ton grand-père qui veut te parler. Tout le monde est là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez? Et toi? Qu'as-tu, malheureux enfant? Pourquoi es-tu si pâle? Si brûlant? Tenez, grand-père, regardez-le. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est vrai qu'il est bien changé. Rose, ce n'est rien. Un peu de fièvre. Ça passera. Vous vouliez me parler, grand-père? Oui, mon enfant. Oui. Je voulais te dire, dis-lui, Rose, moi jamais je ne pourrai. Écoute, mon enfant, nous savons tous que tu as un grand chagrin dont tu ne veux parler à personne. Tu souffres, tu es malheureux. C'est cette femme, n'est-ce pas? Prenez garde, ma mère. On avait dit qu'on ne prononcerait jamais plus ce nom-là ici. Il faut bien. Puisque tu en meurs. Puisque tu vas mourir. Je le sais bien, va. Ne mens pas. Tu n'as trouvé que ce moyen pour arracher cette passion de ton cœur. C'est de t'en aller de ce monde, avec elle, mon fils. Ne meurs pas. Quelle qu'elle soit, cette Arlésienne maudite, prends-la, nous tenons de là dedans. Ma mère, mais vous ne songez pas, mais vous savez bien ce que c'est que cette femme. Puisque tu l'aimes. Mais si.
Dis donc, vous consentiriez? Et vous, grand-père, qu'est-ce que vous en dites? Vous rougissez, vous baissez la tête. Pauvre vieux, comme cela doit lui coûter. Mais faut-il que vous m'aimiez tous pourtant pour me faire un sacrifice pareil? Eh bien non. Mille fois non. Relevez la tête, mes amis, et regardez-moi sans rougir. La femme à qui je donnerai votre nom en sera digne. Je vous jure. Pardon, je vous dérange. Non, reste. Reste. Et celle-là, grand-père, je crois que vous n'aurez pas de honte à l'appeler votre fille. Vivette. Moi? Tu sais ce que tu m'as dit. Le mal qu'une femme m'a fait, il n'y a qu'une femme qui puisse me guérir. Tu es très cette femme, Vivette. Veux-tu que je te donne mon cœur? Il est bien malade. Bien ébranlé des secousses qu'il a reçues, mais c'était bien. Je pense que si tu t'en mêles, tu viendras à bout de lui. Tu essayes de... Marraine, répondez-lui pour moi. À mon enfant, Dieu te bénisse pour tout le bien que tu m'as fait. Salut, jeunesse. Oh mon Dieu, comme vous avez chaud, pauvre berger. Ah mais, c'est que je viens de loin, hein. Et le soleil est dur, hein. Mon Dieu, père, s'il est possible de se mettre dans un état pareil, à votre âge. Je suis pas si vieux qu'on croit. J'ai seulement ce grand coquin de soleil, là, j'ai plus l'habitude, hein. Et pense un peu, hein. Il y a plus de 60 ans que j'ai pas passé moi le joint dans la plaine. C'est vrai, père Balthazar. Et vous êtes en retard cette année pour le passage des troupeaux. Oui, les maîtres sont pas contents, mais enfin, hein. J'ai marié le père, j'ai marié le grand-père. Je pouvais pas partir sans marier le petit, hein. Heureusement, ça sera pas long. Aujourd'hui, on publie les bancs, premier, dernier, samedi, les présents, et dimanche, en route pour la montagne. Eh bien, père Balthazar, vous ne vous reposerez donc jamais? Vous comptez d'emmener les bêtes jusqu'à votre dernier souffle? Si j'y compte, à le grand pastre qui est à la Mundao, a jamais demandé qu'une cause. Il me fait mourir en pleine salpa, au mitan de mon tropeo. Per une d'aquella belle gnotte cheillette, remplie de destero. Oh, du reste, je suis sûr de m'en aller comme ça, hein? C'est ma planète. Encore un coup, ma belle chatte. Et tout de même, il sait quand même que c'est sa planète. Hé, là-bas, père Balthazar. Ménageons-nous.
C'est que ça porte à la tête, cette boisson-là. Voyez-vous, maître Olibrius, il fait le fier parce qu'il a une casquette toute neuve qui reluit comme le bassin d'un barbier. Tu es donc pas à la messe, mauvais chrétien, un jour comme aujourd'hui. Ah, merci. Faut aller la chercher trop loin, la messe, dans ce pays de sauvages. Je me souviens de la carriole. Oh, j'espère que nous voilà pavoisés. Et qu'est-ce que vous ferez donc le jour des noces, si vous en faites tant pour les accordailles? Mais ce n'est pas seulement les accordailles aujourd'hui, c'est aussi la Saint-Éloi, la fête du labourage. Ah, c'est donc ça qu'on entend ronfler les tambourins? Mais oui, et les confrères de la Saint-Éloi s'en vont de ferme en ferme en dansant la farandole. Nous les aurons certainement ce soir au Castellet. Et ils auront bien sûr fait le tour par Saint-Louis pour prendre la mère Renaud. Tiens, au fait, Père Balthazar, on va donc la voir, cette brave vieille, hein? Et dis donc, est-ce que c'est pas une de tes anciennes? Marinier! Non, c'est parce qu'il paraît que du temps du père Renaud. Marinier! Vous avez, comme on dit, glané du blé de lune ensemble. Tais-toi, marinier! Ce grand fou de Balthazar et de ses planètes, riez-en tant que vous voudrez. Mais ça, c'est une chose sacrée. Des fois qu'on y touche. Ah, c'est bon, c'est bon. On n'a pas voulu te vexer, que diable. Mais non, père Balthazar, et vous le savez bien. Je n'ai jamais vu une maison pareille pour prendre les histoires de femmes au sérieux. C'est comme l'autre avec son arlésienne. Il semblait que c'était fini. Et puis maintenant... Et voilà. Bonjour, mère Renaud. Le voilà donc encore, ce vieux Castellet. Cela fait si longtemps. Depuis ton mariage, Français. Est-ce que vous vous reconnaissez, grand-mère? Oh, je le crois bien. Par ici, la magnanerie. Là, le hangar. Oh. Puis... Dieu... Est-il possible que du bois et des pierres vous remuent le cœur à ce point-là. Oh, comme ils sont jolis, cette année, les arbres de la Saint-Éloi. Dites donc, mère Renaud, et celui-là, là-bas, est-ce que vous le reconnaissez? Balthazar? Oh non. Oh, mon pauvre Balthazar. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû rester là. Je savais que vous m'aimiez. Pourquoi? Pour tenir notre serment. Va, ce n'est plus la peine. Dieu lui-même n'a pas voulu que nous mourions sans nous être revus. C'est pour cela qu'il a mis de l'amour dans le cœur de ses deux enfants. Il nous devait ça. Il nous devait bien ça pour nous récompenser de notre courage. Oh. Il nous en a fallu du courage. Que de fois, quand je voyais la fumée de votre maison, qui semblait me dire, allez, mais viens.
Elle est là. Et moi, quand j'entendais crier les chiens, et que je te reconnaissais au loin, avec ta longue cape, il m'en a fallu de la force pour ne pas courir vers toi. Enfin, notre peine est enfin terminée. Nous pouvons nous regarder sans rougir, Balthazar. Oh non. Est-ce que tu aurais de la honte à m'embrasser, toute vieille, crevassée par le temps, comme je suis là? Alors, serre-moi sur ton cœur. Il y a 50 ans que je te le dois, ce long baiser d'amitié. Tu n'es pas heureuse? Oh, Simon Frédéric. Tais-toi, ne m'aime pas. Tu as quelque chose qui te tourmente et te gâte la joie de nos accordailles. Je sais ce que c'est, Vin. C'est ton malade qui te fait peur. Tu n'es pas encore sûre de lui. Bien, sois heureuse. Je te jure que je suis guérie. Quelquefois on croit cela. Et puis... Te rappelles-tu cette année où j'ai été si malade? De tout le temps de ma maladie, il ne me restait qu'une chose dans la mémoire. C'est un matin. Pour la première fois, on avait ouvert ma fenêtre. Le vent du Rhône sentait si bon ce matin-là, j'aurais pu dire une par une toutes les herbes sur lesquelles il avait passé. Puis, je ne sais pas pourquoi, mais le ciel me semblait plus clair que d'ordinaire. Les arbres avaient plus de feuilles. Les ortolans chantaient mieux et j'étais bien. Alors le médecin est entré et il a dit en me regardant « Il est guéri. » Eh bien, à cette heure où je te parle, c'est le même ciel, le même apaisement de tout mon être.
Et plus rien qu'un désir en moi. Mettre ma tête là sur ton épaule et y rester toujours. Tu vois bien que je suis guéri. Mais si c'est bien vrai, tu m'aimes. Oui. Et l'autre, celle qui t'a fait tant de mal, tu n'y penses plus jamais? Je ne pense qu'à toi, Vivette. Mais sur quoi veux-tu que je te le jure? Tu es seule dans mon cœur, je te dis. Ne parlons plus de ce vilain passé. Il n'existe plus pour moi. Tu es seule dans mon cœur. Pourquoi gardes-tu des choses qui te le rappellent? Je n'ai rien gardé. Ces lettres que tu as là. Et si donc tu savais? Bien oui, c'est vrai. C'était comme une curiosité mauvaise que j'avais de connaître cet homme. Mais à présent, regarde. Elles n'y sont plus. Balthazar est allé les rendre ce matin. Oh, tu as fait cela, mon Frédéric. Que je suis heureuse. Si tu savais combien m'ont fait souffrir ces lettres maudites. Que tu me pressais contre ton cœur, que tu me disais « je t'aime ». Je les sentais là, sous ta blouse. Cela m'empêchait de te croire. Et ici, tu ne me croyais pas et tu voulais bien devenir ma femme. Cela m'empêchait de te croire. Mais cela ne m'empêchait pas de t'aimer. Maintenant, si je te dis je t'aime, est-ce que tu le croiras? Dis-le, voyons. Oh, chère femme. C'est toi? Qu'est-ce que tu veux? Mes lettres. Ben, tu reviens pas de chez toi, je les ai données à ton père ce matin. Voilà deux nuits que je couche à Arles. Ça dure toujours? Toujours. J'aurais cru pourtant qu'après cette histoire de lettres, hein. Qu'est-ce que c'est pour elle qu'on est lâche? Les femmes vous pardonnent toutes les lâchetés. Eh bien non, grâce à Dieu. Cette folie est terminée. L'enfant se marie dans 4 jours. Cette fois, il prend quelqu'un d'honnête, hein? Ah, il est bien heureux, lui. Ça doit être si bon de s'aimer librement à la face du ciel et des hommes. D'être fier de ce qu'on aime et de dire au monde qui passe. Regardez, c'est ma femme. Moi, j'arrive la nuit comme un voleur. Le jour, je me cache. Je rôde autour d'elle. Et puis, quand nous sommes seuls, ce sont des scènes, des querelles. D'où viens-tu? Qu'as-tu fait? Quel est cet homme à qui tu parlais? Et des fois qu'il y a au milieu de nos caresses, il me vient des envies de l'étouffer pour qu'elle ne recommence plus. Ah, l'horrible vie de mensonges et de méfiance. Heureusement, cela va finir. Maintenant, nous allons vivre ensemble. Et malheur à elle aussi. Oh, vous vous mariez? Non. Je l'enlève. Ah. Si tu es aux bergeries cette nuit, tu entendras une fière galopade dans la plaine. J'aurai la belle en travers de ma selle. Et je réponds que je la tiendrai bien. Elle tient donc bien, hein? Cette arlésienne maudite. Oui. C'est son caprice du moment. Et puis, un enlèvement, ça lui va. Courir les grandes routes à l'aventure, rouler d'auberge en auberge, le changement, la peur, la poursuite. Voilà ce qu'elle aime surtout. Elle est comme ces oiseaux de la mer
qui ne chante que dans les orages. Moi, ce voyage me fait peur. Je pense aux vieux, là-bas. À mes chevaux. À la cabane. Et à la belle vie d'honnête homme que j'aurais pu mener là-bas. Si je ne l'avais pas rencontré. Alors fais ce que le nôtre a fait. Renonce à cette femme et marie-toi. Je ne peux pas. Elle est trop belle. Ah, le voilà, enfin. Frédéric ? Laisse. Va-t'en. Va-t'en vite. Oh, il l'aime encore. Mais je ne sais que trop qu'elle est belle et misérable. Mais quel besoin avais-tu de venir me le rappeler ? Un paysan. C'est un paysan comme moi. Ah, mon bonheur t'a fait envie. C'est en sortant de ses bras que tu viens me le dire. Qu'as-tu encore sur la bouche ces baisers de la dernière nuit ? Et tu ne sais donc pas que pour un de ces moments de passion dont tu me parles, et pour une minute de ta vie à toi, mais je donnerai toute la mienne, tout mon paradis pour une heure à ton purgatoire. Maudit sois-tu d'être venu, ma quignonne de malheur, c'est encore pire que de l'avoir vu elle-même. Tu me rapportes avec ton haleine l'horrible amour dont j'ai manqué mourir. Car maintenant c'est fini, tu comprends. Je suis perdu. Pendant que tu cours à les routes avec ton amoureuse, il y aura ici des femmes en larmes. Mais non, non, ça ne sort pas. Alors viens, viens, défends-toi, Benny. Défends-toi que je te tue. Viens, allez, 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 allez. Là, laisse-moi. Et lui d'abord s'en aller, laissez-le suite. Mais si, j'ai encore de l'autre côté quelques vers à soie qui ne sont pas éclos. Il faut que je les surveille. Mais toi, pourquoi n'es-tu pas resté en bas à chanter avec les autres? J'étais trop fatigué. Il est vrai que tu y allais d'une rage, cette farandole. Vivette aussi a beaucoup dansé. C'est un oiseau, cette petite. Elle ne touchait pas la terre. Dis, as-tu vu les Giraud comme il tournait autour? Elle est si avenante. Vous allez faire une jolie paire, je veux dire. Et bonsoir. Je vais me coucher. Et puis, tu sais, si celle-là ne te convient pas, nous aurons bientôt fait d'en trouver une autre. Oh, ma mère. Que veux-tu, ce n'est pas le bonheur de cette petite que je cherche, moi. C'est le tien. Il n'a pas l'air de quelqu'un d'heureux, au moins. Mais si, mais si. Mais voyons, voyons, regarde-moi. On dirait que tu as la fièvre. Mais oui, oui. La fièvre, c'est Saint-Éloi qui fait boire et qui fait danser. Mais ne t'en vas donc pas. Tu t'en vas toujours. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Dis-moi, cet homme qui est venu tout à l'heure. Quel homme? Oui, c'est... espèce de bohémienne, de gardienne de chevaux. Cela t'a fait du mal de le voir, n'est-ce pas? C'est un moment, une folie. Oh, et puis tiens, je t'en prie.
Qu'est-ce qu'on sera tranquille. J'aurais trop peur de te salir en remuant toute cette boue devant toi. Allons donc. Est-ce que les mères n'ont pas le droit d'aller partout sans se salir? De tout demander, de tout savoir? Voyons mon enfant, ouvre-moi bien ton cœur. Il me semble que si tu me parlais un peu seulement, moi j'en aurais si long à te dire. Tu ne veux pas? Non, je t'en prie. Laissons cela tranquille. Alors, viens, descendons. Pourquoi faire? D'abord, je trouve que tu as un mauvais regard cette nuit. Et tous les ans, pour la Saint-Éloi, tu me fais faire un tour de farandole. Et cette année, tu n'y as pas pensé. Viens, lumière, viens! Moi, j'ai envie de danser, moi! J'ai bien envie de pleurer, tu sais. Voyons, ma mère. Voyons, ne pleure pas. Pleure pas, bon Dieu, je t'aime. Alors, parle-moi si tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bien oui, c'est vrai, j'ai eu une mauvaise journée aujourd'hui. S'y attendre. Après des secousses pareilles, on n'arrive pas au calme tout d'un coup. Tiens, regarde le rond les jours de Mistral. Est-ce qu'il ne s'agite pas encore longtemps après que le vent est tombé? Il faut laisser aux choses le temps de s'apaiser. Allez, voyons. Ne pleure pas. Tout cela ne sera rien. Une nuit de bon sommeil à point fermé. Et demain, il n'y paraîtra plus. Je ne songe qu'à oublier, moi. Je ne songe qu'à être heureux. Tu ne songes qu'à ça. Oui. Bien vrai. Bien vrai. Damien. Alors. Bonsoir. Je vais me coucher. Cet enfant-là, j'ai même qu'il mourir de lui en le mettant au monde. Puis il a été longtemps malade. À 15 ans, il m'a fait encore une grosse maladie. Je l'ai tiré de tout comme par miracle. Et maintenant, que le voilà fort. Et si beau, et si pur, on ne songe plus qu'à s'arracher la vie. Et pour le défendre contre lui-même, je suis obligée de veiller là, devant sa porte, comme quand il était tout petit. Ah, vraiment.
Des fois, ce Dieu n'est pas raisonnable. Mais elle est à moi, ta vie, méchant garçon. Je te l'ai donnée, je te l'ai donnée 20 fois. Elle a été prise jour par jour dans la mienne. Sais-tu bien qu'il a fallu toute ma jeunesse pour te faire tes 20 ans? Et maintenant, tu voudrais détruire mon ouvrage? C'est bien qu'il souffre aussi, le pauvre enfant. Son affreux amour le tient encore. J'étais folle de croire que quelqu'un pourrait le guérir. Il a du mal de sa mère, celui-là. Les cœurs comme les nôtres ne savent aimer qu'une fois. Mais ce n'est pas de ma faute, voyons. Il ne faut pas m'en punir. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que ce que j'ai fait? Je lui disais, prends-la, nous te la donnons. Amenez-la à me chercher moi-même. Mais c'est trop tard. Elle est partie. Et c'est pour cela qu'il veut mourir. Moi aussi, quand mon pauvre homme est mort et qu'il me tenait les mains en s'en allant, j'avais bien envie de partir avec lui. Mais t'es là, toi. Je ne comprenais pas bien ce qui se passait, mais tu avais peur et tu criais. Oh, dis ton premier cri. J'ai senti que la vie ne m'appartenait pas, que je n'avais pas le droit de mourir. Alors, je t'ai pris dans mes bras. J'ai chanté pour t'endormir, le cœur gros de larmes. Et quoique veuve pour toujours, aussitôt que j'ai pu, j'ai quitté mes coiffes noires pour ne point attrister tes yeux d'enfant. Ce que j'ai fait pour lui, il pourrait bien le faire pour moi maintenant. Oh. Pauvre mère. Nous à plaindre. Nous donnons tout en ne nous rend rien. Nous sommes les amantes que l'on délaisse toujours. Pourtant, nous ne trompons jamais nous autres. Et nous savons si bien vivre. Chagrin et que vous me faites coucher dans sa chambre de peur qu'il ne retourne son chagrin contre lui-même. Aussi, voilà plusieurs nuits que je ne dors que d'un œil. Depuis quelque temps, il allait mieux. Mais cette fois, la nuit a été bien mauvaise. Il a recommencé à pleurer, à parler tout seul. Il disait « Je ne peux pas, je ne peux pas, il faut que je m'en aille. » Puis, à la fin, il s'est couché. Maintenant, il dort et je me suis levée doucement, doucement pour venir vous le dire.
Pourquoi me regardez-vous comme cela, ma mère? Ça vous étonne que j'y vois si fin et que j'ai tant de raisonnement? Mais vous savez bien ce que Balthazar disait. Il s'éveille, cet enfant. Il s'éveille. Est-ce possible? Oh! Oh, mon innocent! Mon nom est jamais, ma mère. Appelez-moi jamais. Il n'y a plus d'innocent dans la maison. Tais-toi! Tais-toi, ne me dis pas ça! Pourquoi? Je suis folle. C'est ce berger avec toutes ces histoires. Viens, mon chéri, viens. Que je te regarde. Il me semble que je ne t'ai jamais vu. Que c'est un nouvel enfant qui m'arrive. Mon Dieu, comme tu es grandi. Comme tu es beau. Sais-tu bien que tu ressembleras à Frédéric? C'est qu'il y a de la vraie lumière dans tes yeux maintenant. Ma foi, oui. Je crois que maintenant je suis éveillée tout à fait. Ce qui n'empêche pas que j'ai grand sommeil et que je vais aller me recoucher car je tombe. Voulez-vous m'embrasser encore, dites? Si je veux. Viens, mon chéri. Viens. Je t'en dois tant de caresses. Tant. Va dormir. Va. Plus d'innocents dans la maison. Si ça allait nous porter malheur. Je ne mérite pas cette grande joie qui m'arrive. Dieu ne m'a pas rendu un fils pour m'en enlever un autre. Trois heures. Voilà le jour. Ça sera comme dans l'histoire du berger. Elle s'est battue toute la nuit. Et puis au matin. C'est horrible. Quel réveil, ils veulent tout savoir ici. C'est impossible. Je ne peux pas vivre. Tout le temps que je la vois dans le bras de cet homme, il la porte. Il la serre. Vision maudite! Je t'arracherai bien de mes yeux! Frédéric, Frédéric, laisse-toi! Frédéric, est-ce que. Où vas-tu? Mais tu les entends même pas là-bas du côté des bergeries! Frédéric! Mon enfant! Au nom du ciel! Il la porte! Attendez-moi! 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 Ah! Au secours! Regarde! Et tu verras si on ne meurt pas d'amour.